Le Stade Rennais, 5e au classement avec 37 points, accueille ce soir le Racing Club de Strasbourg, 17e et premier relégable avec seulement 15 points. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct du Roazhon Park pour le compte de cette 21e journée de Ligue 1. Après avoir brillamment fait plier les Parisiens lors de la 19e journée, les Bretons sont retombés dans leur travers à l'extérieur en s'inclinant le week-end dernier face au FC Lorient de buts à 1 et ont vu les Merlus revenir à 2 petits points des hommes de Bruno Genesio. Les Bretons n'ont pas d'autre choix que de s'imposer ce soir face aux Strasbourgeois qui avaient retrouvé une lueur d'espoir face au Racing Club de Lens en obtenant un bon match nul, 2 buts partout, puis de s'imposer au Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais de buts à 1. Les hommes de Mathieu Le Scornet ont craqué à domicile face à Toulouse dimanche dernier en s'inclinant de buts à 1. Steve Mandanda sera dans les buts. René, Théâtre, Rondon, Christopher Ward dans l'axe. En piste, on retrouvera Truffert, Traoré, Désiré Doué, Lovro-Mayer en milieu de terrain. Et devant, on trouvera Toko Ekambi, Amine Gouiri et Benjamin Bourigeau. Et du côté du Racing Club de Strasbourg, on retrouvera Matsels dans les buts. Le marchand Djikou Doucouré dans l'axe. Liénard et Dagba en piston. Aoulou, Samson, Persic en milieu de terrain. Et devant, on retrouvera Motiba et Habib Diallo. Le meilleur buteur strasbourgeois avec 8 réalisations. A noter un Kevin Gamero qui est suspendu pour cette rencontre. Lui qui a pris un carton rouge face à Toulouse le week-end dernier. Et le coup d'envoi sera donné par les hommes de Bruno Genesio. Dans une ambiance fantastique, ici au Roazhon Park. Et c'est parti pour cette 21e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le Racing Club de Strasbourg. Désiré Doué, Truffert, il va retrouver Traoré pour Lovro-Mayer, le Croate qui va jouer sur Amine Gouiri. Amine Gouiri qui va remettre sur Lovro-Mayer, qui va rejouer sur Amine Gouiri, qui va retrouver Toko Ekambi. Il passera pas l'ancien Lyonnais et ça va être peut-être le contre pour les Strasbourgeois avec Habib Diallo, Motiba qui va rejouer sur Samson, qui va écarter côté gauche sur Liénard. Liénard, il a de l'espace là, Liénard, il est rentré dans la surface de réparation, le centre de Liénard est bien coupé là par Rondon, le Gallois. Et la première incursion, elle est alsacienne. Samson, Samson qui centre fort, mais ce sera directement dans les pieds. René, Amine Gouiri, Désiré Doué qui va rejouer sur Amine Gouiri, qui va écarter côté gauche sur Truffert. Truffert qui va accélérer, qui va jouer en profondeur sur Toko Ekambi, qui va remiser sur Truffert. Truffert, magnifique, il est passé, Truffert au premier poteau pour Toko Ekambi, qui va rejouer dans l'axe pour Lovro-Mayer, qui décale Amine Gouiri, qui frappe et ce ballon est contré. Cette frappe du franco-algérien. La voilà, la première occasion des Bretons. Ça sera un corner pour les hommes de Bruno Genesio avec Lovro-Mayer pour le frapper. Il va le jouer à deux avec Amine Gouiri qui est face à Dagba et contre de Dagba. Et ça sera un second corner pour les Rennais. On va revoir cette occasion de Amine Gouiri, cette frappe et la main ferme. Il me semblait que c'était contré. Non, c'est un arrêt superbe de Matsels, le portier belge de cette formation strasbourgeoise. Amine Gouiri qui va centrer au second poteau pour Rondon. Et c'est dégagé là in extremis là par la défense strasbourgeoise. Mais ça va revenir avec Théâtre. Théâtre qui remise sur Amine Gouiri qui va retrouver Toko Ekambi. La frappe de Toko Ekambi, l'arrêt incroyable de Matsels. Encore une énorme occasion là pour les hommes de Bruno Genesio. Ils commencent très très bien leur rencontre là pour le moment. Lovro-Mayer qui va jouer avec Benjamin Bourigeau. Benjamin Bourigeau premier poteau sur Toko Ekambi qui remise sur Lovro-Mayer. Lovro-Mayer, il est passé. La frappe de Lovro-Mayer directement dans les bras de Matsels. 15e minute de jeu et toujours 0-0 entre Rennes et Strasbourg. Lovro-Mayer, Benjamin Bourigeau. Lovro-Mayer, Benjamin Bourigeau. Rondon, Théâtre. Il va rejouer sur Désiré Doué, qui va rejouer sur Lovro-Mayer. Lovro-Mayer en profondeur pour Amine Gouiri. Amine Gouiri, qui n'a pas réussi à se retourner et à donner ce ballon correctement.
Et ça va être maintenant le contre pour les Alsaciens avec Habib Diallo. Habib Diallo qui joue dans le dos de la défense rennaise là avec ce ballon sur Dagba, l'ancien parisien qui rentre dans la surface d'opération au premier poteau pour Habib Diallo, la frappe et la claquette superbe de Steve Mandanda. Quelle occasion là pour les hommes de Mathieu Le Scornet d'ouvrir le score sur ce contre très très bien mené. Et Persic va tirer ce corner. Quelle claquette hein, de Steve Mandanda. Il le joue à deux avec Sanson. Sanson qui passe à Truffert. Il est passé Sanson. Il va rejouer en retrait sur Djikou pour Motiba. Qui va rejouer derrière sur Djikou. Qui va remiser sur Persic. Qui remet sur Djikou. Qui va écarter sur Motiba. Motiba qui est bien pris par Théâtre. Qui peut rejouer sur Truffert. Truffert là qui est pris par Persic. Mais les Rennais vont obtenir la touche. Truffert. Qui va jouer sur Désiré Doué. Qui remet sur Truffert. Le long de la ligne, sur Toko Ekambi. Désiré Doué, qui va rejouer dans l'axe, sur Amine Gouiri. Amine Gouiri, qui va décaler Lovro-Mayer, c'est bien fait pour les Rennais. Lovro-Mayer, le Croate, qui va servir, Truffert, mais il n'a pas ajusté correctement sa passe, le Croate. Motiba, dans l'axe, pour Sanson. Sanson, qui va changer complètement l'autre côté, c'est bien joué, sur son capitaine Yenard, qui est face à Christopher Wall, il revient retrait sur Aoulou, pour Motiba, et qui n'a pas pu centrer, s'est récupéré par Rondon. Le Gallois, Benjamin Bourigeaud, Traoré, le capitaine breton qui va rejouer sur Amine Gouiri. Amine Gouiri toujours, joyeux, superbe ce ballon profondeur sur Lovro-Mayer. Lovro-Mayer qui est dans la surface de l'opération. Oh, petit ballon pour Amine Gouiri qui frappe et encore un arrêt exceptionnel de Matsels. Quelle occasion là pour Amine Gouiri et cette claquette énorme du portier belge, Matsels. Alors est-ce qu'ils vont de joie de les Rennais? Oui, le joie de avec Lovro-Mayer face à Motiba et superbe intervention de Motiba. Mais ça sera un nouveau corner, il me semble. On va revoir hein, cette occasion de Amine Gouiri et cette claquette incroyable de Matsels. Non, il n'a pas été touché ce ballon. Ça sera une sortie de but pour les Alsaciens. Loin devant. Récupéré par le pressing de Désiré Doué qui va écarter sur Truffert. Truffert qui est face à Persic. Oh, superbe Truffert, mais directement dans les pieds de Doucouré. Mais Toko Ekambi a pu récupérer. Pour Lovro-Mayer qui frappe et superbe sortie de Matsels. Dans les pieds du Croate. Mais ça va revenir du côté breton avec Toko Ekambi. Très remuant depuis le début de la rencontre. Il peut jouer sur Truffert. Le centre de Truffert fort, mais c'est bien défendu là, de la part des hommes de Mathieu Le Scornet. Rondon, Désiré Doué, qui est contré. Tout de suite récupéré par les Strasbourgeois. Habib Diallo, Sanson, Dagba, Habib Diallo, Persic, qui est bien pressé là par Lovro-Mayer, mais c'est récupéré par Aoulou. Aoulou, il est passé, il va jouer en profondeur pour Sanson, qui va retrouver dans l'axe Motiba, en deux temps, la frappe de Motiba, et l'arrêt superbe de Steve Mandanda, et il ne va pas sortir. Ce ballon récupéré par le Gallois, Rondon, qui va rejouer sur Christopher Wall, qui va écarter sur Traoré, son capitaine, pour Benjamin Bourigeaud. Oh, superbe ballon de Benjamin Bourigeaud là le long de la ligne sur Amine Gouiri qui va déborder. Amine Gouiri, il est face à Le Marchand. Il va jouer, il va décaler Lovro-Mayer. Lovro-Mayer qui n'a pas pu contrôler. Mais superbe but de l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais qui vient ouvrir le score et marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Ah, il est content. Toko Ekambi peut montrer son maillot au public du Roazhon Park. Parce que c'est lui qui vient donner l'avantage aux hommes de Bruno Genesio. On revoit premier poteau, il devance la sortie de Matsels pour ajuster sa reprise de volée et de tromper le portier belge. Un but à zéro pour le Stade Rennais face au Racing Club de Strasbourg. Ah, ça va lui faire du bien hein, à Toko Ekambi. Lui qui était vraiment en délicatesse hein, à Lyon avec le public lyonnais. Et il permet là aux Bretons de mener un but à zéro juste avant la pause puisque l'arbitre siffle la pause sur ce score de 1-0 pour le Stade Rennais face au Racing Club de Strasbourg. On se retrouve pour la deuxième période.
Allez, on se retrouve pour cette seconde période, pour le compte de cette 21e journée de Ligue 1 2022-2023, entre le Stade Rennais et le Racing Club de Strasbourg, à Oulon. Samson. Samson dans l'axe, il va rejouer sur Habib Diallo, qui va décaler Motiba, mais qui vient s'empaler là, sur la défense centrale bretonne. Benjamin Bourigeaud. Benjamin Bourigeaud en profondeur, il a essayé de chercher Mingueri, mais c'est un peu trop long ce ballon de Benjamin Bourigeaud. Et ça va être récupéré facilement par les Strasbourgeois. Liénard. Aoulou. Dans l'axe pour Motiba. Motiba qui arrive à se retourner. Il va décaler Liénard. Liénard qui est face à Christopher Waugh. Il centre, contré par Christopher Waugh. Il arrive à centrer. C'est dégagé de la tête par les Bretons. Et ça va revenir du côté Strasbourgeois. Non, c'est récupéré par Benjamin Bourigeaud. Qui revient derrière sur Traoré. Amine Gouiri. Dans l'axe pour Toko Ekambi. Toko Ekambi qui se met face au jeu, il peut servir Désiré Doué, c'est bien fait. Désiré Doué, qui va rejouer dans l'axe pour Toko Ekambi, peut-être pour le doublé. La frappe de Toko Ekambi qui ne cadre pas. On revoit cette frappe puissante, mais qui vient flirter avec la barre transversale de Mats Cels. Incroyable occasion pour les hommes de Bruno Genesio là, de faire le break dans cette rencontre. Il est intenable, là, Toko Ekambi. Mats Cels, loin devant. Habib Diallo, Dagba. Dans l'axe pour Samson, qui peut servir. Motiba, directement sur Théâtre. Qui va rejouer sur le Vroumayeur, qui va décaler. Toko Ekambi, qui rejoue tout de suite sur Amine Gouiri. Ça joue à une touche de balle, là, du côté breton, ça joue bien. Toko Ekambi qui va jouer long, là, sur Truffert, c'est bien joué. Qui remise directement sur Amine Gouiri, qui arrive à se retourner et enclencher sa frappe. Et il faut un Mats Cels vigilant pour arrêter ce ballon et le propulser en corner. On revoit la vitesse où il s'est retourné, là, le franco-algérien. Grosse occasion, là, pour les hommes de Bruno Genesio. Louvre-Meyer pour le frapper, ce corner. Il va le jouer à deux avec Benjamin Bourigeaud. Benjamin Bourigeaud qui rejoue sur Théâtre, qui va décaler Rondon. Et ce ballon, il me semble qu'il est contré. Ce sera un nouveau corner. Pour le Stade Rennais, on revoit cette frappe. Alors, est-ce qu'il est touché hein? Peut-être pas. Non, il n'est pas touché. Ça sera une sortie de but pour Mats Cels. Loin devant. Récupéré de la tête par Théâtre. Mais les Strasbourgeois peuvent récupérer ce ballon avec Samson. En profondeur pour Motiba. Mais il n'a pas pu récupérer ce ballon là. Motiba. Rondon. Théâtre. Arthur Théâtre qui va rejouer sur Truffert. Truffert toujours qui essaye de décaler Désiré Doué, mais c'est pas appuyé. Cette passe de Truffert et ça va donner peut-être un bon coup à jouer là pour les Strasbourgeois avec Samson qui décale Motiba qui revient en retrait sur Habib Diallo. Et superbe intervention de Arthur Théâtre qui peut rejouer sur Christopher Waugh. Benjamin Bourigeaud. Amine Gouiri. Et il a trop tardé, Lamine Gouiri, il a un peu trop tripoté le ballon. Et là, ça va donner peut-être un bon coup à jouer pour les Strasbourgeois avec Samson qui va décaler Dagba. Dagba qui va talonner sur Motiba. La frappe et l'arrêt. Superbe cet arrêt décisif de Steve Mandanda. Et changement pour les hommes de Bruno Genesio. Désiré Doué va laisser sa place à Flavien T. Et du côté Strasbourgeois, c'est Liénard qui va sortir à la place de Ibrahima Sissoko. Dagba. Pour tirer ce corner, il le joue à deux avec Samson. Samson qui est face à Truffert, il arrive à centrer au second poteau pour la tête de Le Marchand qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Mais Diallo, Habib Diallo qui arrive à récupérer ce ballon. Et Sissoko pour son premier ballon qui va décaler Motiba. La frappe et encore l'arrêt exceptionnel de Steve Mandanda. Et Christopher Waugh va laisser sa place à Omari pour les hommes de Bruno Genesio pour ses 20 dernières minutes de jeu. Quelle occasion là pour les Strasbourgeois. Persic, il joue à deux avec Samson. Samson qui est face à Truffert, il arrive à centrer. Il essaie de chercher Diallo, il ne le trouvera pas. Mais ce ballon est toujours Strasbourgeois avec Persic. Dégagé cette fois de la tête par la défense bretonne. Avec Truffert qui va rejouer dans l'axe sur Amine Gouiri pour Toko Ekambi. Toko Ekambi qui va accélérer. Toko Ekambi qui va jouer en profondeur sur Amine Gouiri. Il est pas en jeu. Amine Gouiri, il est face à Djikou. Et il va perdre ce ballon récupéré par Dagba. Motiba, Diallo.
Diallo repris par Arthur Tête. Oh, attention, ça tacle en retard, mais l'arbitre l'a joué l'avantage avec l'Obermeier, le Croate. Ah, non, il se vient s'empaler là sur la défense centrale strasbourgeoise avec Sanson. Motiba qui va décaler Habib Diallo. Habib Diallo, il est tout seul. Ouh là là, il aurait dû y aller tout seul là, Habib Diallo. Il a voulu rejouer côté gauche sur son coéquipier. Et à l'arrivée, il va perdre ce ballon. Donc voilà une équipe qui n'est pas en confiance. Hein, qui n'est pas en confiance. Sanson. Sanson, petit pichenette pour de l'autre côté, mais il ne trouvera pas là. Et c'est pas fini pour les Strasbourgeois avec Motiba qui est bien pris par Arthur Tête là. Ils tiennent le coup, mais il me semble que l'arbitre a donné un coup franc là pour les Strasbourgeois. Très très bien placé. Et Kartoko et Kambi applaudis par tout le stade du Roison Park. Il va sortir. Et Guilbert est rentré à la place de Aoulou du côté strasbourgeois. Oui, c'est Jérémy Doku, hein, le Belge qui est rentré pour les Rennais. Ça fait le coup franc, mais c'est dans le mur pour les Strasbourgeois. Habib Diallo qui revient en retrait sur Djikou. Djikou, aux abords de la surface d'opération. Il va décaler Sissoko qui décale Guilbert qui frappe et l'arrêt incroyable de Steve Mandanda qui vient sauver la maison bretonne hein, de l'égalisation. Ils souffrent là, les hommes de Bruno Genesio. Grosse pression là des Alsaciens depuis quelques minutes. Attention les Rennais là. Persic qui redonne à Sanson et qui s'entraîne instantanément, mais c'est directement dans les pieds de Truffert qui va rejouer sur Jérémy Doku qui va décaler Truffert. Jérémy Doku, Flaviente, il revient derrière sur Théâtre qui va dégager loin devant pour Amine Gouiri, mais qui va perdre ce ballon, le franco-algérien. Mais gros pressing, là, des hommes de Bruno Genesio avec Truffert, et qui perd directement ce ballon, directement dans les pieds de Persic pour Djikou. Persic, Djikou, qui est pressé par Amine Gouiri. Il est obligé de remettre sur son gardien Matzels, qui va dégager loin. Et il y aura 3 minutes de temps additionnel dans cette rencontre. Et les Rennais qui mènent toujours que d'un petit but. Attention. Amine Gouiri qui va faire une talonnade là sur Flaviente. Essaye de jouer en profondeur pour Benjamin Bourigeaud. Mais oui, il me semblait qu'il était hors jeu. C'est pour ça qu'il n'y est pas allé là, Benjamin Bourigeaud. Il s'est récupéré par Guilbert. Et c'est terminé sur cette victoire du Stade Rennais qui se relance pour cette course à l'Europe. Et pourquoi pas aller chercher le podium la saison prochaine. Mais il va falloir faire mieux à l'extérieur. C'est là où ils pêchent les hommes de Bruno Genesio. Et pour les Strasbourgeois, deuxième défaite consécutive. Ah oui, là, il faudra cravacher toute la saison hein, pour le maintien de toute façon pour les Alsaciens. Merci de m'avoir suivi, j'espère à bientôt.